À deuxième journée du championnat de Pro D2 ce dimanche avec la rencontre Montauban face à Biarritz. Dès le début de partie, ce sont les Basques qui s'installent dans le camp de Montauban. Charge de John Dyer, le troisième ligne, point de fixation. Le ballon qui parvient jusqu'au centre. Francis Saïli, petit jeu au pied vers son arrière. Henri Speight, finalement le ballon qui est cafouillé et qui revient dans les mains de Kerman Orekotsea pour le premier essai de la partie. Sur ce petit jeu au pied d'Henri Speight, Jérôme Bosviel remet malencontreusement le ballon vers le demi de mêlée adverse pour le premier essai. Gilles Bosque transforme cet essai 0 à 7 en faveur de Biarritz. Les Montalbanais réagissent. Démarrage au ras de Nicolas Stiersacker. Le demi-mêlée de Montauban cherche du soutien. Il le trouve avec Maxime Sall, l'ailier qui accélère, qui résiste au retour du demi-mêlée adverse. Puis reçoit le soutien de Maxime Mati pour le premier essai à Sapiaquin. On revoit le démarrage de Nicolas Stiersacker, le raffut. À tête haute, il cherche une solution, la trouve avec Maxime Sall qui lui-même distille le ballon à Maxime Mati. En fin de première période, les Biarros sont opportunistes sur ce lancer en touche. Ils récupèrent le ballon par John Dyer, celui qui revenait tout juste sur le terrain après un carton jaune, fait étalage de toute sa puissance pour filer marqué en coin. Ballon récupéré par John Dyer et le troisième ligne qui casse plusieurs plaquages et finit dans l'embut. 11-23 après la transformation de Gilles Bosque et c'est le score à la pause en faveur des Basques. Dans le deuxième acte, réaction d'orgueil des Montalbanais. Charge des nouveaux entrants, Kelly Meafua, avec ensuite le relais de Nicolas Stiersacker puis de Utu Maninoa. Ballon ensuite relevé et Luke Stringer réussit à venir conclure cette action victorieusement. Un nouvel essai pour les joueurs de Montauban. La transformation de Jérôme Bosviel passe, 21-23, les locaux recollent. Les Basques vont repasser à la marche avant avec cette mêlée. Barnabé Kouyou joue un petit ballon au pied vers Steve Barry et ça permet à l'ailier d'inscrire un nouvel essai. Le petit coup d'œil de Barnabé Kouyou pour éliminer les derniers défenseurs montalbanais et la finition de Steve Barry. Après de nouvelles pénalités à signer Jérôme Bosviel, les deux équipes sont dos à dos, mais les joueurs de Montauban vont réussir à gratter une dernière pénalité sur ce bon grattage de Paul Taillade. Avec l'artilleur en chef Jérôme Bosviel, cela donne l'occasion à Montauban de passer devant au tableau d'affichage. Celui-ci ne tremble pas, 33-30, 8e coup de pied réussi sur 9 tentés. La rage de Jérôme Bosviel, la victoire pour l'équipe de Montauban, 33-30, bonus défensif pour Biarritz.